Bonjour à tous. On se voit donc avec le beau soleil. Vous avez vu un petit peu le beau soleil qu'il y a là? Génial, hein? Ouais. 17h. Beau soleil. Allez, je vais aller broyer le champ que j'ai fait la dernière fois. Il est récolté en maïs là. Donc j'ai pendu la chaux la dernière fois. Donc cette fois, on va le broyer. Il faut que je le laboure. Oh, faudra que je pense à remettre du carburant, moi. Ah, je suis pas à sec, hein. J'en ai encore, mais bon, que je me méfie de pas l'oublier et puis de tomber en panne. J'ai vu que j'ai mis de la chaux sur le champ du voisin, alors il va être content. Tiens, j'ai gagné un peu de chaux. Allez, toc. C'est parti. On braye tout ça. On aura le maximum de rentabilité. Voilà. Oh, patine. Patine, tu perds. Pas trop aller chez le voisin quand même, hein, tu vois, parce que j'ai mis de la chaux, j'ai le droit de rouler chez lui. Hein. Ouais. Hein? Nickel. Voilà le tracteur, je crois qu'il va falloir que je passe au lavage, hein, parce qu'après la chaux, ils aiment pas. Hein. Là, il n'y a rien d'étant. Si je me mets dedans, ouais. Bien sale tout ça. Hein. Côté intérieur, non. Nickel lui. Bien ça, on a un intérieur qui se salit pas. Pas trop logique, mais bon. Je vais voir un petit peu. Ah non, il se fait pas le blanc qu'il y a là. Donc c'est normal, il y a encore du blanc.
Allez, deuxième petit tour de broyage. Que je vais là. Tout ça, c'est parce que je suis en train de regarder sur mon téléphone. Et voilà, je regarde sur le téléphone et je fais n'importe quoi. Allez, on va tourner là, toc. Faire comme on a fait pour la récolte. Non. En fait, de ce que je disais tout à l'heure, j'ai savoir ce que vous en pensez. Je continue mes vidéos sur cette map parce que si je l'arrête pas en temps, bah, tout ce que j'aurais commencé, ce sera pas abouti, j'aboutirai à rien du tout, donc je vois pas l'intérêt. Et de changer la map Crew Farm sur la nouvelle map que je convoite. Donc faire les lives sur une nouvelle map. Et garder celle-ci pour les vidéos. Parce que la Crow Farm, je l'aime bien, mais c'est une map, bon, déjà qui est très lourde. Et je tourne en rond dans cette map parce que avec les espèces de Ikangaga, là, je sais plus quoi, là. Ikangaga, là. Je sais plus trop, excusez-moi, mais je me rappelle plus du nom. Faut faire la flotte, là, de l'eau propre et tout ça. Bon, c'est intéressant, hein, mais c'est trop long. Je trouve que c'est trop long. Donc en fait, donc définitif, c'est. Je vous dirai ce que vous en pensez. Je reste sur cette map-là pour mes vidéos. Et je fais les lives sur la nouvelle map. On me dirait quoi? Quoi? Ne me répondez pas le mot quoi, hein. Les gens qu'on est qui vont se faire le plaisir de faire ça, ils vont écrire quoi.
Il est sale, mon tracteur. Là, à la ferme, il n'y a pas de doute, c'est nettoyage. Si je suis obligé de reprendre celui-là pour la charrue, pour labourer. Parce que quand il est pas assez, le Valtra, il est un petit peu limite. Alors même si je le ressalis après, c'est pas grave, mais je vais le laver. Un petit défaut là, il finira après avant de partir. Élevé trop tôt. Ah, on va faire un petit bout que j'ai raté tout à l'heure. Voilà. Et normalement,
C doit être labouré. pH, il est bon, nickel. Allez, on va labourer. Mais avant, je vais laver le tracteur. Ah oui, là, c'est indispensable. Attends, j'ai pu voir à travers le pare-brise. Puis de la chaux comme c'est agressif, vaut mieux laver à chaque fois, je pense. Pour l'entretien du matériel. Mon broyeur, je vais le ranger où il était, à la même place, hein. Il était très bien là-bas. Parce que là, je ne sais plus si. Dans le 6L, il n'était pas là. J'ai passé par en haut. Vous l'avez en même temps. J'ai regardé si le 6L il est là. Le 6L n'est pas là. Où est-ce que j'ai mis lui? Il est là, d'accord. Voilà. Allez, je vais laver ça. Le broyeur déjà pour commencer. Le tracteur. La masse. Oh la masse, elle est usée, hein, peinture. Hein. Bon, c'est pas grave ça. Allez, c'est bon, tac. On va dételer ça. Que je baisse, sinon je passe pas là-haut. Allez, oula, pas bien. On va atteler le cisel. Ok. On va faire une manœuvre, sinon on va tout emmener. Heures. Oula. 18 h. Allez, hop. On va aller passer la nuit. Tac, on passe la nuit, 8 h, oui. Voilà. Oh, il fait beau. Allez, c'est parti. On a passé une journée. Ah oui, bah ça. Ça, c'est normal. Il fallait bien que j'en fasse une. Allez, j'ai parti labourer. Le champ 53.
Allez, on va commencer ici. Alors, si je mets le GPS là, on va décaler un petit peu pour qu'il puisse me prendre toute la bande. Voilà, on abaisse tout. Hop, régulateur. Ouais, parfait. C'est parfait. Il va jusqu'au bout comme ça, c'est nickel. Il y a des corbeaux là qui viennent chercher, fouiller dans la terre. J'aime bien ça. Bon, bah, si ça se passe bien, là, si ça continue comme ça jusqu'au bout, c'est parfait. Brumeux là, hein.
Alors, reste à savoir ce que je vais planter là-dedans. Est-ce que je prévois pour mes cochons? Est-ce que je prévois pour de la revente? Je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre là-dedans. Réfléchisse correctement. Parce que là, je sais pas. Bien, bon, on va se laisser là-dessus. Je vais finir ce labourage-là en off et je vous retrouverai à l'épisode suivant à la ferme. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.